Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Tactiquement, l'entraîneur va donc aligner un milieu à 5 avec un seul attaquant. Sur le papier, c'est un système très compact et défensif, mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Il est bien possible que ça évolue, par exemple, en 4-3-3 en attaque. Ce n'est pas parce qu'on a un milieu de terrain ultra fourni qu'on va se contenter de défendre. Détrompez-vous. On est parti pour 90 minutes. Va-t-il en profiter? Oh, l'occasion! La parade spectaculaire! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Premier corner dans cette rencontre. Le bon dégagement. C'est une occasion, ça! Il rate le cadre. Voilà, mais c'est précipité, tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Et il cède sous la pression. Ce sera un coup franc, bien sûr. Amrabat. Ziyech. Dans la profondeur. Belanda. Quelle inspiration. C'est Belanda qui centre. Le Sénégal qui peut avancer. Allez. Cette attaque n'a pas pu se développer. Boutaïb. Oh, quel bel arrêt! Et voilà une façon de faire briller le gardien. Il cherche son coéquipier. Ils ont pris l'ascendant dans cette rencontre, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas au tableau d'affichage. C'est vrai qu'ils sont bien dans ce début de match. Ils ont déjà quelques tirs à leur compteur et ça pourrait bien finir par payer. C'est joué dans l'espace. Ziyech ! Il progresse encore. Oh, quel geste! Ziyech, le centre! Tiens, un peu de répit. Boutaïb. El Hamadi. Oh, le contre, l'arme fatale! Et on attend encore le premier but de cette rencontre. On allonge le jeu. C'est bien donné. Rien à dire, c'était propre. Mais ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Belanda.
Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. C'est joué dans la profondeur. Bonne interception, il y avait danger. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Il s'échappe. Oh, l'inspiration! Ça va au fond! Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. Premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Belanda. Belanda qui veut se projeter. Ziyech. Quel bijou. Yes, goal. Quelle est importante cette égalisation. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Ah, c'est une équipe de caractère, ça se voit. Ils n'ont pas baissé les bras après avoir encaissé le but. Ils ont égalisé dans la foulée. Chapeau. Il s'impose physiquement dans ce duel. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Bien intercepté. Amrabat. Amrabat qui a un peu d'espace. Le bon dribble. Seul face au gardien. Oui, il peut frapper. Chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pam. Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Bien joué à droite, il faut aller vite. Il a tenté, bien joué. C'est le moment de centrer. Il frappe. L'arrêt splendide. Ah oui, superbe. Taïb. Le récit Belanda. Amrabat, la longue passe. Belanda! Oh, mais quelle parade! Oui, il était bien concentré. Bravo! Long ballon vers l'avant. Faute, c'est indiscutable.
carton jaune, oui, c'est logique. Ses centres, il prend sa chance. Oui, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Et Lamadi qui récupère ce ballon. Amrabat. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. Et quel retournement de situation on vient de vivre. C'était fabuleux. La première période est terminée. Qu'en retiendrez-vous? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Le Maroc qui mène donc 2-1 à la pause. C'est un match qui est encore loin d'avoir livré son verdict. Et on est déjà reparti. Et aucun changement n'a été effectué avant la reprise. Amrabat qui est récompensé de son pressing. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Le ballon dans la profondeur. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Ça joue sur la gauche. C'est envoyé dans l'axe. Ziyech qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Fage. Amrabat qui est marqué de très très près. C'est peut-être une bonne solution à court terme, mais il risque de ne pas tenir tout le match à ce rythme-là. Il cherche un coéquipier dans l'axe. Un peu d'air pour la défense. Il se rattrape bien. Mazraoui, c'est joué long. Amrabat reçoit le ballon. Amrabat qui centre. Sur sa gauche. C'est bien fait, ça. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exact. Bonne course, côté droit. Dans la profondeur, bien vu. L'interception, c'était chaud. Cette possession un peu stérile. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Faut que ça va partir vite. Il décide d'allonger le jeu. Toujours efficace, les 1-2. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Donc il va vite sur ce côté. Boutaïb. La longue passe. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Ça joue à gauche. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. L'arbitre est clair, il lui dit de vite, vite se calmer.
On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait! Bah écoutez, il a fait son match, il peut être content de lui. Et il dégage. C'est un contact qui n'était pas régulier, coup franc. Il est bien placé. Un bon sang. Quelle détente! Ils étaient tout près de revenir au score. Regardez son visage. Il sait qu'il vient de rater une énorme occasion. Fage. Hakimi, il cherche la profondeur. Et ils vont effectuer cette touche. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Il tacle, il y avait danger. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille. Le Sénégal qui cherche à déclencher du mouvement. C'est écarté, bien fait. Il est bien placé, il peut frapper. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ouh, quelle occasion! Le Sénégal qui procède à un autre changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Il envoie le ballon dans l'axe. La parade, magnifique. Bien servi. Encore le coup de tête. Ça se joue à rien. Eh ben dis donc, c'était chaud. Dans les ultimes instants de cette rencontre. C'est l'une de leurs dernières possibilités. Allez, c'est maintenant. Et le centre bien placé. C'est fini. Le match est terminé. Oh, quel scénario génial à vivre. Et à commenter. Ils étaient menés. Ils se sont arrachés tout au long de la rencontre pour complètement renverser la vapeur. C'était magnifique à vivre. Comment un tel retournement de situation est-il possible? J'aimerais bien avoir votre sentiment. Je dois avouer que je ne l'ai pas vu arriver et j'ai encore du mal à comprendre. On avait une équipe qui dominait avant de se faire dominer plus tard. C'est remarquable. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'arrêt, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. C'est toujours un bonheur.